Est-ce que vous avez déjà essayé de faire, pour vous donner une image, de faire un mouvement de. Alors, je vais, je vais prendre un autre exemple. En fait, quand, pourquoi vous penchez énormément en avant quand vous n'avez pas la morphologie pour les squats Parce que si vous ne vous penchez pas en avant, vous, vous tombez en arrière en fait. C'est-à-dire que votre, votre, votre corps, votre posture quand vous descendez au squat avec une barre sur les épaules, euh, vous penchez en avant pour garder une forme d'équilibre. Parce que si, si vous aviez l'équilibre parfait, vous resteriez le dos droit. Donc plus la barre va être Haute, plus vous aurez tendance à pouvoir vous redresser un petit peu parce que justement euh, la charge va vous équilibrer, donc c'est à dire que la charge étant donné que le poids est plus en avant, vous pourrez pour compenser en fait la charge qui vous emporte en avant, vous maintenir un petit peu le dos droit. Par contre, si vous avez la barre basse, euh, comme font les, les athlètes de force quand ils font des concours de, de squat par exemple, ils vont avoir la barre basse. Donc, ça, ça aura plutôt tendance, vous allez avoir pas mal de force à ce, ce niveau-là, mais vous allez avoir plutôt tendance à pencher beaucoup en avant. Pourquoi Parce qu'en fait, la charge, vu qu'elle est basse, elle va vous chercher comme un sac à dos à vous emmener derrière. Alors que si elle est haute, elle va vous emmener plutôt, euh, elle va vous équilibrer euh, en, en vous forçant à aller en avant. Vous, vous allez pouvoir rétablir et donc, du coup, avoir le dos plus droit. La problématique à ça, c'est que mettre beaucoup de charge sur le haut, ça peut endommager les cervicales. Donc, sur du léger, pourquoi pas mais sur du lourd, évitez, préférer une position de barre euh, médium, là où elle est bien calée au niveau des trapèzes et pas directement sur les cervicales. Donc... Voilà, vous venez de voir un extrait de la formation sur les quadriceps. Donc, cette formation est euh, surtout pour les personnes qui ont du mal à développer leurs quadriceps, qui ont tendance à avoir. Euh, une épaisseur de quadriceps au niveau du genou qui est plutôt mince et qui ont du mal à les sentir travailler, qui sentent plutôt les ischio ou les fessiers bosser quand euh, ils font euh, des mouvements de cuisse. Euh, également pour les personnes qui se demandent le genre de mouvement qu'ils pourraient faire à la fois en salle de sport mais surtout à la maison parce qu'on est limité on va dire par le choix des mouvements quand on s'entraîne avec du matos maison. et donc du coup la formation euh, s'articule autour de tout un plan avec euh, toute la théorie et la compréhension qu'il faut réellement avoir pour bien travailler ses quadriceps. Donc, ça pourra vous servir en salle et à la maison. Également, les meilleurs exercices que moi j'ai trouvés pour cibler les quadriceps. Et après, euh, vous allez avoir un petit plan réparti sur trois séances de manière à maximiser euh, le remplissage entre guillemets des quadris. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez le lien en description. Et si vous avez déjà des bons quadriceps, passez votre chemin. Si vous avez envie de les développer, le lien est là et euh, je vous attends de l'autre côté.